Et yo les gars, c'est Rebo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo World of Tanks. Ça fait un petit peu de temps que j'en avais pas fait, du coup je suis content de vous faire un petit gameplay dessus. J'espère que ça vous plaira à vous aussi. Bien sûr, faut que ça plaise aussi aux abonnés. Du coup là, j'ai un tank, j'ai le BT2. Pour ceux qui connaissent un petit peu, je suis en train de monter jusqu'aux objects, jusqu'aux OBJ 430 pour avoir ce dernier. Et désolé, je suis concentré. En plus, il a barillé lui. Alors, vite fait, ce que c'est à barillé, c'est c'est comme moi. C'est plusieurs. Enfin, moi, c'est du semi-auto. Mais genre, c'est. Genre, c'est plusieurs obus dans le même. On charge en même temps quoi. Hop. Hop, il est mort. Hop, il est mort. Oh l'enculé. Oh l'enculé. Yeah ouais, je suis mort. Bon, allez hop, on retourne au garage. Bon allez, décalé. Voilà, moi c'est le BT2, je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de monter. Donc simplement là je suis dans la... Je crois que c'est... Enfin je veux pas dire de merde. Non, c'est pas marqué quelque part. Bon bref, je veux pas dire, c'est la nation qui est tout à gauche. Du coup moi j'ai commencé avec ça, j'ai pris celui-là et après je vais partir sur le BT7. Après sur l'A20, le T34, le MT25, le LTTB, le L54 machin là, le T54 et ensuite... non. Oh, je suis trompé d'une case, bon c'est là. Hop, c'est le A44 et tout. Ah oui, voilà, c'est le T34, je monte au A43, A44, à l'OBJ 416, OBJ 432 et OBJ 430. Lui, les gars, je peux vous dire qu'il a des sacrés stats, hein. Regardez à gauche, là, en haut à gauche, toutes les barres vertes, il a un sacré blindage, il va plutôt vite. Il a une super, il a un radar de fou. Il fait mal, c'est un kiff. Donc du coup, on va voir si je peux améliorer. Ah bah non, c'est vrai, il est en bataille. Donc ça, c'est le marché un petit peu de World of Tanks. Faut payer pour avoir des petites pièces, pour avoir des petites pièces d'or en haut à gauche. Et puis voilà, on a gagné, on a perdu, lourd. Alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Alors ça, c'est le système d'amélioration. Simplement, vous avez votre tank de base et ça, vous devez le débloquer avec de l'expérience, avec les petites étoiles. Vous voyez BT2 hein, au-dessus des traits verts. Et en dessous, vous avez une petite étoile avec marqué 341. Alors 341, c'est l'XP tout simplement que j'ai avec ce char hein, et que je vais pouvoir mettre dans le BT1M que j'ai. Après, tu le débloques, tu payes, enfin tu achètes avec de l'argent du jeu. Hein, les au-dessus du BT2, où là vous avez 600. Non, n'importe quoi. 279 000. Après, tu passes à ça, tu débloques avec ton XP, tu l'achètes. Et là, voilà. Je débloque avec mon XP, j'achète le pack. Hop, et voilà. Oh, il va être super rapide. Hein. Ah ouais, putain, il va taper un sprint. Hein. Il va faire de l'ombre à Usain Bolt. Ouais, hop. Bon, ouais, les potes, on est parti. On est parti.
Alors là, vous l'avez au-dessus du petit emblème, vous avez tous les chars. Alors vous avez les chars légers, les chars moyens, les chars lourds, les chars anti-moteur, oh non, automoteur, je crois. Et les chasseurs de chars. Après, vous avez différents chars, par exemple ceux qui tirent en l'air avec un obus qui retombe. Et tout simplement ceux qui ont un châssis bloqué, ou un blocage de châssis comme c'est marqué sur le jeu, c'est que vous avez un rayon de 45 degrés, 30 degrés devant vous. Et vous pouvez pas, par exemple, vous n'avez pas de tourelle à tourner. Et ça, c'est assez chaud, comment? C'est à prendre en main, quoi, c'est pas très simple. Du coup, on est parti. Une petite map ensoleillée. On va voir comment il va faire du pointe. Très bien, messieurs. Il y a des ennemis dans la zone. Nous pouvons soit les détruire, soit capturer leur base. En route. Ouais, 55, c'est bon ça. Ah, pour en scaler là les potes. Alors, ils vont soit arriver. Non mais arrête. Ils vont soit arriver par en bas là. Ici. Soit par là. Ou soit derrière aussi. Oh l'enculé, putain il me bloque! C'est une blague! Putain, c'est des alliés en carton ça! J'ai pris tarif à cause de lui. Qu'est-ce que ça laisse-moi passer? Putain, là, je suis une grosse pédale là. Je fuis comme un violon. On va essayer de tâter le terrain avec lui. Ah putain, j'en étais sûr. Bon. Voilà, les gars, c'était une petite vidéo rapide sur World of Tanks avec un petit char, le BT2 de l'URSS, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est l'URSS. Je veux pas m'avancer. Donc, sur les pages, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me faire savoir. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Conseillez-moi si vous connaissez un petit peu le jeu. N'hésitez surtout pas à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on a passé la barre des 100 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Si vous avez des petites questions dans les commentaires de cette vidéo, je ferai pourquoi pas une FAQ où je répondrai à vos commentaires si j'en ai pas beaucoup. Sur ce, les potes, je vous dis à la fois prochaine. Ciao!